a buté. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Tu le reconnais? C'est Carlos Ortiz, poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu? Écoute, je sais que ça a été très dur pour toi, mais tu es le seul qui puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Écoute, je suis de ton côté, et je veux t'aider, mais je ne pourrai rien faire si tu ne me parles pas. Je suis là pour t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Tout ce que je veux, c'est te sortir de là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas.
je comprends ton émotion. Tu étais rempli de colère et de frustration. Personne ne peut te reprocher tes actes. Je sais que tu as peur. Tu doutes. Ces événements t'ont secoué. Parle-moi. Tu te sentiras mieux. Avoue et je te protégerai. Je te le promets, je ne laisserai personne te faire du mal. Je n'obtiens aucun résultat. J'abandonne. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi! Ne me touchez pas! Merde, qu'est-ce que tu fous? Maille-toi! Ça va. Calme-toi, fais pas ton cinéma, tu vas nous comp... Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'ils sont détruits, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde? J'essaye. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Merde. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier! Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui.